0,80, 46, 0,80. Ah oui, pour cet après-midi, ça va être la bagarre avec... Autant de Thierry Le Mardelet, 44, 417.
Le... Je pense aussi, mais après, déjà un gros temps de ce matin. Voilà, donc on attend le départ de... C'est mieux, 51-234. C'est meilleur temps du groupe CF. Meilleur temps du groupe CF. Et on attend le temps de Jérôme Voren en groupe. Voilà, on attend le départ de Romain Fulgal avec un endroit. Voilà, Romain. La numéro 7, je l'ai eu le départ. Très gros passage ici. Très, très gros passage ici de Romain Fulgal dans la chicane. Le départ de cette voiture. Frédéric. Ouais, c'est Frédéric, ils n'ont pas changé les numéros. Hein. Voilà, faut savoir gagner un petit peu. Monsieur Dany Langlois, voiture du groupe M2000. Quand tu fais 3, même en attaque renfort, ça va être compliqué quand même. Hein. Je pense. Ouais, un gros passage ici en F2000 classe 2. Et Henri-Jacques Lowe, c'est ligne de départ avec une Clio Coupe N, ex voiture atelier de Mardelet et voiture qui a des résultats. Donc Donc là, on attend Bernard, je crois, hein, c'est ça? Oui, on attend, c'est Bernard sur la ligne de départ. Bernard Chrétienne, bien sûr, membre du milieu de club, président du jury. Et le droit du bout à fond. Voilà, on attend le départ de... On est à la limite, place 3. Et là-haut, dans le droit, un tout petit peu plus, ça serait mieux.
Cyril Chumain, 41-068. Pour information, il y a un petit monsieur qui est venu voir, il m'a dit que le moteur. Et là, ah oui, et là après on va voir, on va retrouver la Clio de Romain Laville. Alors c'est pareil, tout à l'heure il nous a fait un gros passage. Benoît Le Chevretel qui vient de passer devant nous avec une petite radiocule à la sortie de la chicane. Non, c'est Marine, chaque fois, qui se présente avec le Clio R3, c'est la ligne de départ. Numéro 122. 7-940. Elle est en train de Marine. Allez, c'est parti pour Gaëtan Renouf. Hein. On attend Gaëtan avec impatience ici. Je pense que c'est la dernière voiture pour ce matin. Voilà, c'est la dernière voiture qui va prendre le départ. Bien sûr, amis spectateurs, vous ne bougez pas, vous attendez le passage de la direction de course. Le temps de Léonard Lizardi, 48-727. Et voilà au freinage. Ce matin, il y avait deux, trois petites cafouillages dans le moteur ici. Voilà, donc on attend le départ de la 143 de la Saxo F2000 de Jean-Patrick Maillet. Alors je crois qu'on attend qu'il soit arrivé à l'incarner. Avec une 206 du groupe A, Frédéric Gallo, le numéro 123, c'est la ligne de départ. Jean-Patrick Maillet ici. Moins en break que ce matin. Attends, c'était un peu en glisse à l'entrée. Donc voilà, on attend le départ de Gaëtan Renouf avec cette Dallara numéro 105. Exceptionnel le passage là de Gaëtan Renouf. Ah, il est en forme là. Là, il a fait un gros passage. Oui, la découverte de cette voiture. Jacques Kachenko ici, numéro 44. Très propre dans la chicane là. Et après Jacques Kachenko, apparemment, on va retrouver Gilles Marie. Gilles Marie, c'est la ligne de départ. On attend Christian Boulanger, là, c'est la ligne de départ, s'il vous plaît.
Allez, bon passage de Gilles-Marie ici. Ah, il a lâché un tout petit peu là, oh Gilles, mais bon, faut le temps de prendre confiance en la voiture. Voilà, donc, on est en 39 qui nous arrive chez la ligne de départ, avec cette Clio F2000. Et voilà, Christian. Ouais, par contre, après, il y a un mode. D'un coup, je fais un coup de pompe. Groupe F2000, numéro 37, Jonathan Vaillier. C'était chaud un peu l'entrée, un petit peu en sous-régime pour repartir. Avec la 206 RC. De Jérôme Morin. Allez, Jonathan! Voilà, donc on attend le départ de la JD de Jérôme Morin, numéro 36. Voilà la numéro 35, c'est bon. Jérôme Morin, on passe. Jérôme Morin, on passe devant nous. Un petit peu en sous-régime là dans la chicane. En bagarre pour le groupe. Elle a 35 heures. Henri Blanchard. Perfection au départ. 41 970. Allez, c'est Romain Laville. C'est la ligne de départ. Ah là, ici le passage là. Allez Romain, il est un tout petit peu moins vite dans la chicane là, Romain Laville. Voilà. Avec la BM et Henri Jacques, vous faites la ligne de départ. Voilà, donc on a la BM M3 sur la ligne de départ de Maxime Bigot numéro 32. Maxime Bago avec la M3. Ouais, Maxime. Voiture qui doit gagner le groupe N ici normalement. Et on attend le départ de Francis Marie avec l'escorte de Claude Fort sur 4 roues motrices. Et voilà Francis Marie avec l'escorte. Et après on va voir Christophe. Encore le week-end dernier avec Charles Volant. Ah, j'ai une de départ. Et voilà Christophe Duré. Christophe Duré avec la GT Turbo. Ah, c'est passé pour Christophe. Voilà, donc on attend. Sur un. Là-bas, bon, et là, attention, hein, messieurs, dames, les spectateurs, regardez bien le passage numéro 27. Ludovic. Le passage. 26, la 106. Ludovic sur un. Oh, Ludovic sur un. Oh, le freinage de Ludovic sur un. Et Ludovic sur un, toujours à l'attaque. Ludovic sur un. Et il lâche pas là-bas non plus, et je crois que dans le dernier non plus, donc... Et là, on a la 106 de voiture. Et Ludovic sur un... Saxo. M. Stéphane de Catam. Avec la Saxo. La 106, pardon.
tout à fait, numéro 25, la ligne de départ. Sébastien Gossard devant nous. Voilà, donc on attend le départ de Bernard Chrétienne avec la Clio Cup, voiture du groupe A. On va s'en monter. Et là, on va avoir numéro 21 sur la ligne de départ, la Clio Cup, voiture du groupe A. De Gabré. Avec cette Clio, et après on va aller rechercher les voitures pour les faire redescendre. On va monter pour aller rechercher les voitures. Maxime Norrois. Voilà, donc c'est Thierry de Mardelais sur la ligne de départ, numéro 22, avec la Clio R3. Quelqu'un qui nous met la paille en place. Et voilà, Thierry Mardelais. C'était chaud. C'était très chaud, Thierry de Mardelais. Ah oui, ça... Voilà, et là, la numéro 17, on a Chupin Cyril. Avec la Gemma, c'est la ligne de départ, avec Yamaha. Donc j'ai été avec cette Lotus qui vient de passer devant nous. Oui, numéro 17 avec la Gemma. Avec un PRM. Numéro 15, j'ai la ligne de départ à Noroyo. La voiture est à vendre, hein, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà Arnaud Herriot. Arnaud là ici, super voiture. Ouais, ça marche, super voiture. Les flics aiment pas ça. Ils veulent pas. Ah oui, gros chrono dans les... On attend des... Daniel Borois arrive. Allez, on a numéro 12, il y a une départ, le GEMA, c'est Daniel Borois. Avec la Leguet. Voilà Daniel Borois. Allez, Franck Lumière, celui de l'époque. On a été quelques années sans le voir. Il nous a sorti cette voiture, la Leguet. Le roi ou le roi? Franck Gilbert, numéro 11, c'est la ligne de départ. C'était pas très loin, Romary Duval. Il est celui-là, il est Franck Gilbert devant nous. Romary Duval.
Duval ce matin. Ouais, c'est ça, je pense. On a de l'OV aussi. Romaric Duval, alors là, regardez. Voilà, Romaric. Voilà, c'est Philippe Le Boisselier, numéro 8, qui paye de départ avec une Martini. Moustache Geoffrey, qui paye de départ numéro 7, avec une Martini. Le Boisselier. La Dallara de John Nicol, numéro 6, la ligne de départ. Voilà, donc c'est la ligne de départ dans la numéro 6, John Nicol avec la Dallara 392. Francis Renouf, c'est la ligne de départ. John Nicol, le numéro 6. Et on attend la ligne de départ. Voilà, c'est la Sébastien Frémont, la magnifique Reynard numéro 4 sur la ligne de départ. Le voilà Sébastien, super moto. Ils conduisent à deux là. Yves et Henri. Attends, on devrait retrouver. Si, il va essayer d'aller chercher cette victoire aujourd'hui. Allez, Dominique Abel, numéro 3. Égal, numéro 3, sur la ligne de départ. Alors regardez, ça va aller très vite. Hein. Et Dominique Abel, on le voilà, Dominique, avec la Migale. Sérieux à suivre aussi Eddy Ravenel et Eddy Ravenel numéro 2, celui de départ avec la Dallara 392. Eddy Ravenel arrive devant nous, au freinage. Et le temps de Dominique Abel, 35,9. Dominique Abel, ouais, excellent temps pour Dominique. Il était en 30. Parce que là dans la chicane c'était vraiment très vite. Je vous rappelle hein, le temps de Dominique Hamel. Et voilà, c'est reparti Gabriel 145. Oh là là. Le Chevrotel. Allez, c'est la 143 qui va prendre le départ. Jean-Patrick Maillet, la facto du groupe F2000. Thank you.
un peu plus propre que tout à l'heure, mais plus efficace. Ma première course aujourd'hui. Chicane, au passage derrière le temps de Gaëtan Famille. Voilà, on attend le départ de la 42, Gilles Marie. Il y a trop de pression. Le temps de Jack Tchatchenko, 48-657. Voilà, on attend le départ de Christian Boulanger. 47-477. Christian Boulanger. Voilà, donc moi j'étais sur le numéro 38. Ouh, c'est chaud là! Voilà, la dernière voiture du groupe F2000, c'est Jonathan Gagnier, celui de départ. Oh là là, Jonathan Gagné, ça fait ça! Elle a gilet devant nous. Allez, on attend le départ de la BMW de... Allez, on attend le départ de la numéro 31 avec l'escorte le Cosmos. Le Groupa avec les furieux du Groupa aussi. Francis Marie ici avec l'escorte. Numéro 27, il a eu le départ. Et voilà Christophe, Christophe Muret dans la chicane. Voilà, on attend le départ de Ludovic Surin, numéro 27. Voiture du groupe A, la ligne de départ. Magnifique le passage. Il n'a pas freiné. Un peu de frein.
Ah, je pense qu'on ne peut pas se faire. Allez, on a la chance. Stéphane Picat ici, le numéro 26. Ouais, Stéphane Picard, qui est passé devant vous avec ouais, après, ouais, bah, tu l'as on a changé par de la vie en bas, c'est notre méthode là, avec la flexo. Tu es groupé à ça. Je ne vais pas, Vincent Côté. Vincent Poté avec la 206 du groupe A. Voilà, et ça va être le départ de. Ça va être le départ de Bernard Chrétien de. Les spectateurs, pensez à aller vous désaltérer. Donc là, pendant la direction course, on va chercher vous dire. En descente. Le départ pour la numéro 43. C'est Thierry Lemardelet, c'est la ligne de départ. Ah, Thierry Lemardelet, en bagarre avec Ludovic Surin pour la première place du groupe 1. Voilà la Lotus, la ligne de départ, le numéro 19. Et voilà Thierry. C'est lui qui installe la paille parce qu'il y a un tout petit peu de paille qui a volé. Hein. Voilà, mais c'est la sienne. Non, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Si je suis pas numéro 17, elle est ouais. Le 19. Et le temps de tirer le Bardelet, c'est pas assez pour aller chercher une course sur un 43-704. Il y a encore un 3 pour le matin. Voilà, donc je suis pas le. Je suis pas le freinage. Numéro 15, ligne de départ, c'est Arnaud Heuriot. Numéro 14, le temps de Sylvie Chupin, 41-680. C'est bon, ça fait. Il vient. Ouais, c'est ce que je fais. 5, 48, 425. Oui. Voilà, Romaric, il est plus sur le podium de scratch, il va essayer de. Mais voilà Romaric, il est fâché. Voilà, et là on a Philippe Le Boissonnier. Troisième Bouscat sur le moment.
numéro 11 avec le gué. Voilà Franck. Oh bah oui, c'est lui qui vient de l'armée. Voilà. Voilà, donc on attend le départ de la numéro 7. Allez, j'ai pas la numéro 7. Numéro 7. Le forestage qui avait fait un 43. De Sébastien Frémont. Et voilà Francis Renaud devant nous. C'est le départ. Allez, Francis. Au fanage ici. Super moto. La sortie de la chicane. Tiens, la plus haute marche du podium. Allez, Francis, on va le voilà Benoît Le Chevretel. Trois sur la ligne de départ. Numéro 105. Et Marine qui devrait arriver devant nous là, avec la Clio R3. Gaëtan. Ah pareil, Gaëtan, c'est quelqu'un qui va bien, qui nous fait tous les scratchs quasiment en salope. Amélioration pour Marine deux fois. 49-107. 49-107. Voilà Gaëtan. Au départ, la 205 rallye du groupe F2000. Clio, Jean-Marie, bah, voilà Jacques. Courir et
il est là aujourd'hui présent. Sébastien. Avec une toute nouvelle voiture qui marche bien d'ailleurs. Et c'est Gilles-Marie avec une Clio. C'est son meilleur temps. Et Gilles-Marie ! Gilles-Marie, première course avec cette voiture. Boulanger avec la Clio du groupe 1 2000, c'est la ligne de départ. C'est Christian Boulanger. Le voilà, Christian. Christian Boulanger. Super 5, j'ai été turbo du groupe 2000, la numéro 38, qui va se présenter sur la ligne de départ. Dernière voiture de groupe F2000. Bon, c'était chaud le passage dans le freinage. Et là, on a le JD. JD de Jérôme Morène, c'est la ligne de départ. Le JD. Du groupe N, mais ça va pas être facile. Donc c'est Romain Laville, numéro 34, la ligne de départ. Ouais. Le voilà, Romain Laville au freinage. Ça sera son meilleur temps, hein, Jérôme Morène. Voilà, donc on attend que ça. On va aller chercher la M3. Ah, dommage. Le 33, Henri Jacquelot. 85, ah, il s'est rapproché, mais c'est pas assez. On va voir si la BM améliore. On va voir. Ah, il monte un peu plus fort, mais bah, 46,973. Voilà, et là on a l'escorte de Francis Paris sur la ligne de départ, 4 roues motrices. Paris avec l'escorte qui peut jouer trouble fête. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. 4 roues motrices, déjà ça fait une petite carte de départ. Le départ 44,557. Ah ouais, effet. Dans le temps de Francis Marie. Francis Marie, 46,247. Christophe Duret. Allez, procédure de départ. Et Ludovic Sura. Oh, le freinage. Il a raté une vitesse, Hugo. Voilà, il a raté la chance. Voilà, on attend le départ de la numéro 25. Le temps de Stéphane Pécat, 52,056. 52,056. Sébastien Gosselin avec la Saxo. Sébastien Gosselin, 45,944. 45,944.
Vincent Beauté. Numéro 21. Voilà, donc la direction de course est partie rechercher une voiture. Avec Clio R3 de Jean-Benoît Bazir avec la 205, 56-345. Et nous, il a fait un super départ. C'est sûr. Allez, là, je passe. La 206, pardon. Elle est 19 devant nous. Avec la Gemma, la numéro 17. Je suis pas, j'ai la ligne de départ. Cyril Chupin, ça te bouge. C'est son meilleur temps aujourd'hui. Après, on devra faire. C'est la ligne de départ. Voilà, Arnaud Herriot. Voilà, on attend le départ de Yves. Le temps de Arnaud Herriot, 48-415. Ah, il y a un problème avec la commande de boîte ou la boîte. Ouais, au départ, il y a déjà eu des petits soucis, on a bien vu. Au départ, ouais. 922, 48, 922, effectivement, c'est beaucoup moins vite. Franck qui a eu des belles années, hein, y a, et puis qui avait arrêté, et là qui revient. Mais bon, c'est pas facile de s'y remettre après ça. Voilà, et on attend le départ de Romaric Duval. Le voilà, Romaric. Très soigné, Romaric Duval. Philippe Le Boisselier. Et là, pour Philippe Le Boisselier. Nous voilà, Geoffrey Eustache.
de Philippe Le Boisselier, 43 903. 43 903. Le voilà, John Nicole. Tâche 43 526, c'est moins bien pour Geoffrey. Francis Renouf. Allez, Dominique Abel. C'est Bastien Frémont, frénage. Bon, voilà. Dominique Abel, j'ai l'équipe de départ. Ouais, je pense pas que ce soit plus vite ici. Même au départ, Dominique. Mais c'est passé. Alors là, effectivement, le temps de Dominique Hamel, c'est moins bien. 36-155. 36-155. Ouais, Julien Petit après. Tout est encore jouable. Et voilà Julien Petit. Ah oui, gros passage. Ouais, gros passage de Julien Petit ici. Et on attend le temps de Julien Petit.